Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle trotte pour mon petit frère parce qu'il l'a cassée. Il a cassé sa trotte le jour de ce contest. Voilà, c'était le festival qui s'est passé à Yverdon et Zachary devait y participer et genre 10 minutes avant il a pété sa trotte et donc aujourd'hui on va essayer de la réparer ensemble, de voir un peu ce qui va pas parce que j'ai pas pris la peine encore vu qu'on est parti après à Londres. D'ailleurs très bientôt des vlogs vont sortir, on va avoir une semaine que des vlogs de Londres, je vais un peu vous montrer ça. En gros ce qui s'est passé c'est que sa fourche elle a fusionné avec le JDD. Et lorsque j'ai voulu serrer du coup sa trotte, j'ai voulu enlever et c'est juste impossible d'enlever. Il y a impossibilité. Du coup, ce que je vais devoir faire aujourd'hui, c'est essayer de retirer ça. En retirant ça, je vais pouvoir voir les dégâts que ça a fait sur la fourche et je vais pouvoir essayer de remettre et puis de lui refaire un peu une trotte. Il faut vraiment à tout prix que je retire ça. Donc je sais pas comment je vais m'y prendre, soit je vais taper très fort, soit je vais, je sais pas. Dans tous les cas, Zachary va me rejoindre. J'attends d'être avec lui pour commencer et on va essayer juste de retirer cette pièce. On va essayer de lui refaire sa trotte parce que là vous voyez j'ai déjà essayé de taper comme un fou parce qu'à la base c'était là et j'ai réussi à faire décaler de là mais là c'est coincé. Donc peut-être que je vais devoir scier le jeu de direction pour en aller au skatepark. Zachary qui vient d'arriver. Bonjour. On va essayer donc de retirer ça. La première étape c'est qu'on va mettre du VD40. Le but c'est que si on arrive à enlever ça on peut te faire ta trotte. Et je pense qu'on aura besoin de racheter d'autres parce que nous on avait peur que si... C'est qu'à la base je tapais juste avec la fourche sur le sol. Mais si on continuait trop, moi j'avais peur que ça juste ça pète. Déjà que c'est assez amoché du coup. VD40. Il y allait gentiment. Juste, le but c'est de le faire sortir. On va essayer de dissocier le truc du JDD. Voilà. Ok, premier. What? Ouais, tu vois, c'est ça. Ça a fusionné. Oui. Oui, je sais, c'est osé. J'ai pris la petite pièce à outils. J'ai ma caisse avec toutes mes pièces de trotte et tout. Regardez, on a acheté une piscine, elle est hyper cool. Voilà. Okay. Oh, mais j'ai pas réussi à faire ça la dernière fois. Bon, déjà on a retiré le roulement. Mais maintenant c'est pas la chose la plus simple, le roulement. Pour une autre méthode, je cherche un autre outil. C'était ça que je cherchais. Donc ça, je le mets là. Et avec ça, je peux taper. Ah, si je tiens et que je fais tourner et que je tape un peu partout, je pense que normalement ça va. Je peux jeter. Ouais, attends 2 secondes après. Maintenant, on va essayer de taper entre. On voit que je suis en train de péter le truc. C'est pas grave. 5 minutes later. Regardez, en tapant, ça a brisé le truc. Vous voyez la fissure là? Et enfin, c'est sorti. En fait, le truc, il était tellement, je pense, serré. Ça l'a pété juste en deux. Oh, c'est bon, ça a marché. Ok. On a réussi enfin à regarder. Oh, what? Regardez ce que ça fait dans le métal. Oh, what? Oh la vache. Oh, bon, bah maintenant l'étape cool c'est que on va pouvoir te refaire une trotte. Ouais. On va changer la fourche. Regardez la fourche. Non, non, parce que la fourche elle est encore roulable, on va juste la nettoyer. D'accord. Alors on va aller chercher maintenant un linge. Maintenant on va te prendre ça. Moi j'ai des poignées au cas où. Ça. Et j'ai aussi un colissage. Et qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Il faudrait des clés en bus pour serrer. Clé de 6. Et la clé de 5. Parfait. Oh là là, quelle galère. Regarde comme elle a pris tarif la fourche.
Il y a vraiment des bouts. Attends. En fait, faut juste poncer la surface pour pas que... Parce que là, si j'ai peur que si on remet quelque chose, bah ça va nous faire la même chose. Plus de petits reliefs. Bon, la fourche, on l'aura maltraitée. Hein. Là, il y a un peu encore de relief. La fourche, elle a été martyrisée. Ah, une coupelle. Il faut le deuxième. Tu veux une coupelle comment? Blanc, noir? Noir, c'est plus sûr. La barre? Ouais. Oh, le haut de la trotte a pris cher. C'est un peu dégueu, ouais. Ah. Ouais. Ça aussi. Ensuite. Ça, ça passe. C'est bon. J'espère ensuite que ça va pas refaire la même. Non. Ok, ça rentre. Et pas de soucis. Oh oui, let's go. Et voilà, le bas de ta trotte. Ça roule. J'ai plein de pouces bleus si vous voulez que Zachary s'achète une nouvelle trotte. Parce que là, elle commence à mourir. Toi, t'aimerais pas avoir un nouveau setup? Ouais, grave. Mais là, l'avantage, c'est que tu vas au moins pouvoir faire de la trotte pendant les vacances. Après, son anniversaire, c'est le 16 août. Du coup, là, peut-être que des gens vont t'offrir des trucs ou un peu d'argent pour que tu puisses acheter des pièces. Ah ouais, là ça fait quoi 2-3 semaines que j'ai pas ridé Depuis le contest, donc ouais. C'était il y a 2 semaines, ouais. On va rider un petit coup là après. Ouais, après on va tester un peu pour voir si ça roule ta trotte. Oh, je suis impatient. Écoutez. Oh, c'était long. Et voilà. Parfait. On serre un peu sa trotte et on se retrouve au skatepark, c'est parti. Ah dommage. Elle roule ta trotte? Ouais. Oh il filmait pas. Ça filmait pas. Ah ouais? J'ai loupé un double whip, vas-y refais. Ah bien vu. Non là c'était pas bien. Un whip drop? Ouais. Oh. Oh what, ses genouillères lui ont fait. Ah ouais mais il faut tout changer. Ça lui a fait saigner. Regardez comme il est tout. Là. Oh, il est tout cabossé. Oh, t'as autant de blessures. Là t'as un énorme bleu. Il se passe quoi? Tu t'es fait taper? Ici. Pourquoi là. Ton ventre t'es tout rouge aussi? Là ça fait hyper mal. Mais ouais. Pourquoi t'as tout ça? Et de l'autre côté aussi. Ah ouais. Ouais donc aujourd'hui tu stoppes là toi? Ouais je crois. On reviendra. En plus là il doit déjà faire genre 32 degrés. T'auras un petit peu ridé, t'auras mis un double whip. Ouais. La trotte, au moins tu vas pouvoir rider pendant les vacances. Ouais, c'est cool. Et le but c'est que pour ton anniversaire, donc le 16 août, je rappelle, t'as une nouvelle trotte.